Arrêtez de jouer avec ça. J'essaye juste de régler ça. Passez-moi les feuilles de calcul. Tout de suite! Je les ai déjà effectuées. Je me demande s'il va pleuvoir. Pareil. Herr Hitler. Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja. Ich verstehe. Vous l'avez trouvé? Hitler est totalement hors circuit. Félicitations, professeur. Sans Hitler, il n'y a... Le temps nous le dira. Un jour ou l'autre, le temps nous le dira. Gradenko, le gaz agit en combien de temps? Est-ce que l'on peut parler? Bien sûr. J'écoute. En fait, cela dépend uniquement du poids du sujet. Les enfants ont mis moins de 15 secondes à mourir. Quant aux adultes, ils ont mis près de 18 à 42 secondes. Pas de survivants? Non, camarade Staline. Total des morts. D'après ma liste, 840. Mes agents ont recensé 877 habitants dans ce village. Comment expliquez-vous cette différence? Vos agents sont mal renseignés. Il suffit. Démarrez la production du gaz. J'en ai déjà donné l'ordre, camarade Staline. Notre nouvel officier. Ses états de service sont on ne peut plus éloquents. J'aurais aimé pouvoir juger moi-même... Le lieutenant a quelque chose d'important à faire. Ce sera tout, Gradenko. Excusez-moi, camarade Staline, mais je n'ai pas fini. Les habitants de Torum s'ingénient à nous opposer résistance. Ils ont bloqué les routes d'accès ici et ici. Des ennemis du peuple. Détruisez la ville et sa population.
Nadia, j'ai là une mission qui vous ira tout particulièrement. Voyons si vous êtes à la hauteur. Rendez-vous à Torum. Détruisez la ville et ses habitants. Pas de prisonniers, pas de survivants. Ce sera tout. Renfort arrivé. Oui, chef. Bien compris. Pour rapport. Perdu. Bien compris. J'attends les ordres.